2, Cadix 1, radio check on green. How do you copy? This is 2, radio 5. Radio 5. Radio check on red. How do you read? 2, loud and clear. Copy, switch green 5. Salut tout le monde, c'est Tomcat, on se retrouve pour la cinquième mission de la campagne Equilibrium pour le Mirage F1 d'Airgis sur DCS World. Cinquième mission qui fait suite à la mission de reconnaissance qu'on a effectuée auparavant. Enfin nous c'était une mission d'escorte d'un F5 qui était chargé de faire la reconnaissance le long de la DMZ, la zone démilitarisée le long de la frontière jordano-syrienne. Et en fait, voilà, il s'est avéré que les Syriens avaient bel et bien mis en place un camp armé le long de la frontière avec dessus deux Hind, la présence de deux Hind qui avait été clairement identifiée, ainsi que plusieurs BMP et également quelques camions. Donc aujourd'hui, on va être chargé de frapper ce camp afin de réduire la menace qu'il représente. Donc pour ce faire, on est équipé de pods de roquettes. Moi j'en ai 4, mon Eli en a 2. Et on a 2 F5 jordaniens qui ont décollé juste un petit peu avant, qui vont être chargés de notre couverture aérienne le temps de notre passe d'attaque. Hop, on va stopper ici. On va vérifier une fois de plus que tout est bon. Ça, on peut le passer en émission. Ça, je vais le baisser pour pas être embêté avec. Normalement, on est tout bon. Cadix flight, hold short 3-1, ready for departure outbound east. Cadix flight, you are cleared to take off runway 3-1. Left turn after departure. Maximum speed 300. Maximum altitude 6,000 feet. Cleared takeoff 3-1. Copy. Cadix 1. Hop, ouais. Pied sur les freins. Et on est parti. Essayez de rester centré.
Hop, allez, on vire par la gauche. Donc on reste à 300 nœuds et maximum 6000 pieds le temps que l'on est, le temps que l'on soit dans la CTR. Copie. La map est quand même sacrément belle. Alors aujourd'hui, ça devrait être un vol assez rapide. Hein. C'est vrai que les dernières missions, en général, duraient plus d'une heure. Là, je pense que ça devrait être un petit peu plus court. On a nettement moins de temps de vol quand même. Ça va être un peu plus... On va moins naviguer d'un point à un autre. Là, ça va être un... On va aller droit au but. Attention à ne pas dépasser les 300 nœuds. On va éteindre ça. Dîner, attention, et on va commencer à préparer un petit peu notre passe d'attaque instantanée, canon et roquette. Je pense qu'on est pas trop mal. Pour l'instant, on va laisser le cache sur le master arm. Tiroto, ça c'est pas besoin. Hop, allez, 6000 pieds. On réduit les gaz parce que je suis un poil rapide. Sinon, on va se faire tirer les oreilles par le contrôle. Les F5 sont pas forcément très très loin devant nous. Hein. On va peut-être pas trop trop speeder quand même. On va leur laisser le temps d'arriver. Je crois que des pressions c'était marqué 30 pour les roquettes. Et ensuite, target 71-63. Ok, donc on a les F5 qui sont en position, 25000 pieds. Après, je pense que les F5 c'est peut-être un peu limite pour nous couvrir parce qu'au final, c'est à part les canons et les Fox 2, ils ont de mémoire, ils ont rien d'autre. Je vois pas les, je les vois pas capables d'emporter des Fox 1. Donc sur le principe, il aurait peut-être mieux fallu que ce soit nous qui faisions la combattère patrol.
la couverture aérienne et les F5 qui fassent la passe d'attaque, ça aurait été plus logique. Bon, après, je pense que pour le gameplay, c'est plus gratifiant pour nous de changer un peu, de passer sur de l'attaque au sol. Je vérifie encore une dernière fois que tout est bien configuré. Normalement, on est pas mal. Ok, on arrive sur la DMZ et j'ai l'impression que c'est ici. Où est-ce qu'il est parti? Donc ouais, il y a des appareils ennemis qui arrivent dans la zone. Ok, comme pendant vue. Donc hop, Master Arm on. Allez, c'est parti. Donc en priorité, on vise les deux Hind qui se trouvent là juste au milieu. Essayer de me faire une petite passe canon. Sur les camions ou sur tout ce qui peut se trouver dans la zone. On va reprendre un peu d'altitude. Ah, il nous refait une passe d'attaque. Je sais pas si les deux Hind sont touchés. Ça a l'air. Je vais essayer de vraiment exploser les Hind. Normalement là on a réussi la mission, mais ça m'a indiqué comme quoi les deux Hind étaient détruits, mais visiblement ils sont encore encore viables. Attends, je pense que mes roquettes sont parties bien dessus quoi.
Ou que ce soit une espèce de bug, je sais pas. J'ai plus rien, allez, retour à la base. Donc YS 95-61. Après, sans les avoir explosés, je pense que je les ai suffisamment endommagés pour les mettre, pour les avoir mis hors de combat. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai eu mission réussie. Bah écoutez, on va se retrouver pour l'atterrissage, je pense que là il va plus se passer grand chose. Hein. Demi-gars battu, le compound qui a été bien endommagé, donc voilà, on va se retrouver pour l'atterrissage. A tout de suite. Aisha, Cadix Flight, checking out. Cadix Flight, copy. Frequency change approved. Good day. Cadix Flight, Echo. Roger Cadix Flight. Continue approach. Cadix 1.
flight, you are cleared to land runway 31, wind 240, 6 knots. Cleared to land runway 31, Cadix 1, 2, brake formation. Je crois que 2 il a déjà atterri. Il a déjà atterri. Allez, train sorti, vérifier, volet sorti. C'était pas trop mal. Cadix 1, exit next to the left and taxi to your assigned hangar. Wilco, Cadix 1. Bah le voilà. Le voilà Cadix 2. Bon, petite mission sympathique, j'ai bien aimé. J'aurais juste aimé réussir à vraiment désinguer les Hind. Ce que visiblement je n'ai pas fait, mais bon, on a quand même accompli la mission, on les a suffisamment endommagés pour valider leur destruction, en tout cas les empêcher de nuire dans les prochains jours. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Après, je pense, enfin, je sais pas si le replay, enfin, le fichier track va fonctionner, mais honnêtement, je pense que. Avec ce que j'ai balancé niveau roquette, je pense que voilà, ça a dû bien taper. Normalement. Normalement, malgré tout, la mission est réussie. Et bien voilà, cinquième mission qui se termine.
On est presque mine de rien déjà à la moitié, hein. La prochaine ça sera la bonne de cette campagne. Donc ça avance vite. Et en tout cas, les missions sont toujours aussi sympas. Et c'est vrai que c'est un vrai régal de voler à bord de ce Mirage F1. En tout cas, une fois de plus, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le gameplay vous aura plu. Bah alors, Michel. J'espère que le gameplay vous aura plu. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Tom4. Ciao, ciao.